N'empêche, tu es bien content qu'elle t'amène en balade, mon épave. Hein. Non, mais sérieux. Commence à travailler, je pourrais te payer une belle caisse après. C'est dans mes projets. Mais les gars, s'il te plaît, s'il vous plaît, arrêtez de me parler de cette voiture. Voilà, Nabil, frère. Il va la prendre, il va l'amener au bled, il va la retaper. Non, mais remarque, je te jure, elle peut en faire un super taxi. Quoi? Comment ça, un taxi? Oh, les gars. Oh, si vous êtes pas content, je vous dépose ici plus de soirée. Oui, je sais. Ah, rigole, détends-toi, respire. Allez. Te vexe pas, c'est bon, rigolez. Soulex, ta voiture. Au pire, Rachid, si je gagne au loto, je te fourche un pays de vous. Tu t'es fous de ma gueule. Arrête de piler, putain. Bon, on arrête. Ça, je jure, je te fais ça. Contact, s'il vous plaît, contrôle de la BAC, descendez du véhicule. On a rien fait. C'est un contrôle de routine. Papier du véhicule. Vous avez consommé de l'alcool, des stupéfiants, des armes à bord du véhicule? Non. Mettez vos mains sur le capot. Vous pouvez y aller. Merci. Et vous arrêtez pas toutes les 5 minutes, c'est pas la peine de piller comme ça, d'accord? Ouais, c'est mal. Ah, les gars, bah, tu vois, c'est à cause de vous, hein. T'as vu, je t'ai dit, si t'avais une voiture moins impourrable, elle serait pas fait contrôler. Ouais. Si vous arrêtiez de cracher un peu sur ma voiture, on serait pas fait contrôler aussi. C'est bon, on va arrêter. Vas-y, roule, s'il te plaît. Mais ce qui me rend fou, c'est qu'ils ont fait les cow-boys. C'est ça qui me dégoûte. De toute façon, c'est toujours pareil. S'il n'y a pas de fric, ils en profitent toujours, chaque fois, les flics. C'est bon. Non, j'y vais. Ah, les gars, vous savez quoi? On va se passer une bonne soirée, tranquille. Allez, parti, vas-y. Ça fait longtemps que j'ai pas passé une bonne soirée comme ça. Souviens quoi. Tu remontes avec nous? Non, je vais rester avec mes amis. Par contre, je vais récupérer les affaires dans le sac. Okay. Tu vois que tu les as les 10 euros que tu m'as gratté tout à l'heure? Je rigole ou quoi? Il n'y a pas 10 euros là-dedans. Je n'ai pas 3 euros. Non, qu'il y a des... Quasi rien. C'est ce qu'on a joué ce matin, ça. C'est quoi? Je vais le garder. On va voir si on a gagné et peut-être 10 euros, tu vas me rembourser la soirée. C'est toi, pourquoi tu rigoles? Toi aussi, tu me dois 10 euros. Moi, je te dois 10 euros? Eh oui. Ben, tu sais quoi? Je vais te les mettre sur le compte de l'essence et de l'usure de la voiture. Je savais pas que c'était une formation. Mais c'est toi, Zahma, t'es entrepreneur. Tu peux pas nous régler des coûts sans nous compter au moindre centime? Je crois que c'était l'amitié avant tout. Bah, c'est bon, frère. Ah, fraîchement. C'est de bon cœur, on a passé une bonne soirée.
regarde, en France, comme c'est dur, déjà, les pauvres, c'est qu'un regard. Tu vois pas qu'ils pleurent alors qu'ils sont pleins de sous, là? C'est des tricheurs, ça. Ah ouais? Et toi, quand est-ce que tu vas t'arrêter de tricher, trouver un boulot? De trouver une femme, un foyer, quelque chose de bien? Tu sais, tonton, je triche pas, moi. Moi, je me lève le matin, j'ai deux comptes à rendre à Digueux. Ça s'appelle la liberté, ça. Qu'est-ce que tu as dit? La liberté. La liberté. Ta connerie, va. Tu sais, si je gagne l'auto, des femmes, c'est parce qu'il en manquait. Des amis aussi, tu en auras beaucoup. Oh. Je le connais, là. Attends. Là, on a plus de clientèle à d'habitué. Bon, c'est vrai que tout le monde se demande un peu qui est ce gagnant mystère. Ces touristes, ils doivent être très loin déjà. Putain, c'est le bar en bas de chez moi, ça. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tonton, comment on fait pour avoir les numéros gagnants du loto du 23 juin là? Bah, tu vas au bar, tu demandes au gérant, il va te les donner. Hein. Bon, ça va, merci. Tu veux la télécommande? Putain. Merci. Fini ton verre. Salut patron. Dis-moi, tu n'aurais pas les résultats du loto du 23 juin? Putain, la chance, hein? Je peux le garder? Ouais, vas-y, vas-y. Merci. Oh! Qui c'est? Vas-y, rentre, s'il vous plaît. Oh, tu crois que c'est la porte de ta voiture ou quoi? Ça va, toi, avec ma voiture, là. C'est bon, j'ai plus de voiture. Toi, tu as plus de voiture? Je l'ai vendu. Tu l'as vendu? Ouais. Mais c'est pas grave, je vais racheter une autre. Tu vas racheter une voiture? Avec quoi? D'accord. Ça te dit rien? Regarde. 23 juin. 06, 13. 18, là, regarde. 25. Vous appelez comment? Margot. Alors Margot 06. C'est une blague? Non. Non, désolé, là je bosse et je suis pas là pour faire. Ma parole qu'elle aura pas une sentiment sur moi. Ça veut dire quoi ça? C'est pour une présence ou quoi là? Ça a marqué notre monnaie là, c'est bon, laisse tomber. Non, sur la vie de ma mère que je vais jouer un ticket de loto devant elle, je vais pas lui laisser les sous, ça veut dire quoi? Alors, je vais mettre le 18 parce que c'est moi qui connais ça. Bon les gars, je mets le 13 parce qu'on est du 13, hein. Non. Mets le 06 frère, c'est grâce à lui que tu joues. Ah ben, tu vas voir. On a gagné? Mais non. Eh oui frère, on a gagné. Bien sûr qu'on a gagné. Mais non. Eh si. On a cassé, je fais un bisou. On a cassé. Ah, le souci c'est que il y a un petit problème. Combien? De quoi? J'ai pas le ticket. Non. Mais tu pas ça. Et où tu retrouves pas le ticket? J'ai cherché chez moi, j'ai cherché de partout, je l'ai pas retrouvé. Donc forcément, il est soit chez toi, soit chez Nabil. Mais non, chez moi, frère. Il serait chez moi, le ticket. On part en courant à l'encaisser maintenant. Il n'est pas chez moi. Après qu'on est parti du bar, t'as fait quoi? J'ai pris le ticket. J'étais parti. Putain, c'est Nabil qui l'a. C'est Nabil. Pourquoi Nabil? Le jour où on est parti, juste après le bar, on est parti à la plage, moi et Nabil. Et je me souviens que j'avais jeté le ticket dans la poubelle. C'est lui qui l'a récupéré. T'as jeté le ticket de l'auto dans la poubelle? Ouais. Vas-y, appelle-le. Je vais l'appeler. Puis je crois qu'il est encore au bled, il est pas rentré encore. Non. La ville est là. Putain, un répondeur. Le sixième message, vas-y. Allô?
Ouais, Nabil, bah écoute, c'est Rachid. Rachid et Nico, bah, dès que t'as mon message, rappelle-moi. Voilà. Allez, ciao. Putain, lapin. Attends, écoute-moi. Quand on est parti en soirée, là, tu te rappelles quand on est parti en soirée? On s'est fait contrôler par la BAC. Ouais. Nabil, le flic, il a fait sortir ses papiers et il y avait le ticket de l'auto, il a posé sur le capot de la voiture. J'étais à côté, j'ai tout vu. C'est obligé, c'est lui qui l'a. C'est sûr. Sûr et certain, frère. C'est, faut qu'il me rappelle d'urgence. Tu sais quoi? À voir, il va s'encaisser le ticket là-bas au bled tranquille, va se payer son mariage avec notre argent, frère. L'enfoiré. Ou alors, toi, avec ton petit air sournois de crevard, là, vous êtes en train de me faire une arnaque à la maghrébine tous les deux, là. T'es sérieux, là? Je sais pas, moi. T'es sérieux, là, frère? Mais tu as pété un plomb, quoi. Mais non. Mais tu as pété un plomb. Oh, tu crois vraiment que moi, je vais te faire une arnaque? Je serais venu chez toi, sinon? Je serais venu t'en parler? Je sais pas, frère, 3 millions d'euros, ça fait tourner la tête. Ouais, eh ben ça te fait tourner ta tête à toi. Oh, tu m'accuses pour de bon? T'es malade, hein? Bah, écoute, on va se calmer, hein? Ouais, on va se calmer. On va trouver une solution. Mais tu sais quoi, c'est ce qu'on va faire, c'est simple. Tu vas fouiller chez toi. Moi, je vais aller regarder de partout. Chez moi, chez mon oncle, je vais aller regarder de partout. Et puis, dès que Nabil me rappelle, je te contacte. Ça va. Rappelle-moi, je vais fouiller partout, moi aussi. Ouais, ouais. Bah, on sait jamais. Toi aussi, tu me rappelles pas. Ouais, moi aussi, je te rappelle, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ouais. Allez, ciao. Rappelle-moi, hein, n'oublie pas. Ouais, t'inquiète. Ciao, poteau. Ciao. Putain. 3 millions d'euros. Putain, les gars, je comprends pas comment vous avez fait pour perdre ce ticket, putain. Comment ça, vous? Tu es autant responsable que nous, hein. Ouais, monsieur organisation. N'oublie pas où j'ai retrouvé le ticket. Dans la poubelle. Dans la poubelle? Eh bien justement, ça veut dire que c'est toi qui l'as, dans la poubelle. Hein? Monsieur, je donne des leçons sur l'organisation, mais tu n'es même pas capable de gérer tes affaires. Mes affaires? Avant de rentrer en boîte, mes affaires, je les ai mis dans le sac à GMU. Hé, commencez pas à mêler à vos embrouilles. Mais justement, on va te mêler à nos embrouilles. Qui nous dit que c'est pas toi qui essaie de nous escroquer? Tu te rappelles, tu voulais partager les gains? Mais t'es complètement parano, mon pauvre. Trouve-toi une copine, ça va te soulager. Tu seras peut-être moins stressé et moins con. Vas-y, détends-toi. Allez les gars, faut se reconcentrer là. Faut qu'on le retrouve ce putain de ticket. Allez, vas-y, assis-toi aussi. Mais comment tu veux que je me détende ce soir à minuit, on perd 1 million d'euros? Bon, Jenny, tu es sûr que tu as bien fouillé dans ton sac? Mais oui, j'ai déjà fouillé le sac. Et le ticket n'y est pas. Nabil, t'as bien récupéré tes affaires avant de monter en voiture avec tes potes. Alors arrêtez de m'accuser. Merde! Bon, je me rappelle, j'ai récupéré mes clés, ma monnaie. C'est toi qui as récupéré ma monnaie ensuite pour te payer la soirée, pour te rembourser. Pour me rembourser? Me rembourser de quoi, là? Tu es sérieux, toi? Déjà, lui m'a rendu fou, avec son histoire d'usure des pneus et d'essence, là. Et c'est quoi le rapport avec la monnaie et le ticket de l'auto? Non. Le ticket est avec la monnaie, Nico. Le ticket est avec la monnaie? Vous savez quoi, les gars? Je vous ai payé une soirée et vous m'accusez d'avoir volé le ticket de l'auto? Vous êtes dégoûté! Allez vous faire foutre! Oh là, je lâche pas. Trop bizarre. Écoute, mon pote, si c'est toi qui as le ticket, viens, on s'arrange. Viens, on partage tous les deux, on dit rien à Bill. Hein? Toi, tu me dégoûtes, hein? Tu crois que je suis prêt à escroquer mes amis pour un peu de thunes? Hein? T'es trop crevard pour comprendre ça ou quoi? Tu as oublié les vraies valeurs avec tes conneries de l'auto là. Les vraies valeurs? Tu te moques de moi ou quoi? C'est comme foutre la gueule de ma voiture? C'est ça les vraies valeurs? C'est facile pour toi, t'as une bonne situation, tu subis pas le racisme. Et hein? Tu peux faire rêver n'importe quelle fille en lui offrant des trucs de ouf? C'est ça? Tu as qu'à aller travailler comme tout le monde, au lieu de te plaindre, de pleurer pour rien là. Hein? Rien n'est facile dans la vie, rien du tout! D'accord? Et le racisme, excuse-moi, hein, mais c'est un peu trop facile. Hein. Génie, cette histoire de l'auto m'en fout. Tu les laisses m'accuser sans rien dire? Mais non, ils t'ont pas accusé, c'est juste qu'on essaie de se rappeler où est-ce qu'on a mis ce ticket. Tu sais, ce qui me plaisait chez toi, c'était ta simplicité. On roule pas sur l'or, mais tous les deux on était bien car on se faisait confiance. Et puis l'argent n'a jamais fait partie de notre priorité.
Pourquoi tu parles au passé? Je sais pas. Depuis qu'on parle de ce mariage, t'es plus le même. Je te sens stressée. Tu fais plus attention à moi et tu laisses même tes amis m'accuser chez nous. Écoute, ma chérie, j'ai jamais été aussi stressée que depuis que je prépare ce mariage. Mais j'ai envie que ça soit royal, tu comprends? J'ai envie de me donner les moyens de te rendre heureuse. Et 1 million d'euros, ça pourrait m'aider, non? On s'en fout de 1 million d'euros. Ta famille au bled, ils ont pas grand-chose. Et ça les empêche pas d'être heureux. C'est cette vie-là que je veux, moi. Et pas que l'argent vienne pourrir notre relation. Alors fais-moi plaisir. Arrête de penser à ce fichu ticket de loto. Salut! Ça va? Ouais, ça va aller. Mettez-moi une noisette. Ok, de suite. Allô? Ouais, tonton, c'est la grille qu'on a remplie, mais putain, on retrouve pas le ticket. Oula, si t'as pas le ticket, t'as pas gagné, Mino. Par contre, t'as gagné une bonne leçon. Ça t'apprendra à t'organiser, t'es trop brouillon. Puis je vais te dire, hein, mon neveu, les jeux d'argent, tu gagnes, tu perds. Mais quand tu gagnes, tu te rends compte que t'as même pas récupéré ce que t'as perdu. Alors crois-moi, trouve-toi un vrai travail. Y a pas mieux que l'argent que tu gagnes à la sueur de ton front. Merci tonton pour tes conseils. C'est normal. Quand on aime quelqu'un, on veut que son bien. Puis tu verras, quand tu auras beaucoup de pognon, tu auras des profiteurs. Merci. Me dis pas merci. Fais-le. Voilà, votre noisette. Merci. Alors, est-ce qu'il paraît vous êtes le gagnant mystère? Et alors? Ben, vous vous souvenez pas, c'est moi qui vous ai donné le stylo pour remplir votre grille. Et alors? En général, les gagnants,